sont les lettres qui en fait définissent tout un monde, le monde des lesbiennes, des gays filles, des gays hommes, des bisexuels et des trans. Vous savez qu'il y a des pays du monde où il y a encore la peine de mort. Il y a des pays du monde où on risque d'aller en prison. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec un jeune LGBT qui se fait traiter de sale PD? Lui, il n'a pas de soutien. Lui, il n'a pas de soutien. Si quelqu'un pouvait choisir, ben, il choisirait évidemment d'être hétérosexuel à la naissance, en tout cas. Puis après, est-ce que l'information qui est dite, dans tout ce qui est dit sur Facebook, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste « Ah, je vais attirer l'attention et puis que les gens like et puis comment te dire non, t'es trop cool » ou je sais pas quoi. Donc on a par exemple pas qu'il y ait du contenu suicidaire ou du contenu à caractère d'automutilation qui circule, comme pas de discours de haine, pas de contenu caractère sexuel. On peut voir quelqu'un qui est toujours bien, dire « Mais lui, il a jamais de problème, enfin, c'est super, puis ça cache quelque chose. » Et puis à l'inverse, quelqu'un qui a tout le temps mal, je pense qu'il fera plus s'il pose quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si vous connaissez une manière de dénoncer les choses. C'est écrit en haut. Faut signaler. Après, c'est écrit Facebook, après, faut écrire je sais pas quoi. Après, ça supprime. Tu veux déplacer, le seul défaut du truc, c'est. Comment ça cache là ouais. Tu peux dire que tu vois rien aussi. Alors, lui, Rewind, là, j'ai fait assez rouge, ça va marcher. Donc, en arrière. La règle dit que ça il faut aller libérer. On a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, puis après tu vois des animaux qui sont tranquillement au pied du lard. Attends. Mmh. On a mis des cartouches. Hein? Ok. Un babouin. Donc je dirais que c'est un primate autre, parce qu'il y a les chimpanzés, puis il y a les autres primates. Donc autre primate, ça. T'as toujours un guide. Hubert. Donc on dit aussi Frankie Frank. C'est simplement un réseau privé, virtuel, entre plusieurs personnes qui se connaissent. On arrive dans un réseau privé qui est sécurisé, mais ça reste des sites qui sont ouverts ou visibles. On utilise le terme dark web pour désigner tout le contenu web qu'on trouve qui n'est pas accessible. Alors que quand on parle du dark web, ça c'est des sites qu'on trouve uniquement par exemple sur le réseau Tor, et on ne peut pas y accéder en dehors du réseau Tor. Il y a des tas d'utilisations qui disent légitimes de Tor. En Europe, on n'a peut-être que l'Islande où il n'y a pas de censure sur Internet. Donc le Tor a été développé au départ pour pouvoir contourner la censure qui existait dans différents pays. Suivant le navigateur qu'on va utiliser, on va pouvoir aller regarder et voir carrément le mot de passe écrit par rapport au compte. Donc ça, faire super bien attention, donc effectivement à vérifier que c'est pas ce souvenir de moi, donc on ne va pas se souvenir de votre passe. Mais alors, en plus, si vous mettez des photos qui peuvent se retourner contre vous, méfiance. Alors généralement, ce qu'on commande, c'est effectivement de ne pas mettre des noms d'utilisateurs qui donnent une indication sur votre personne. Si vous vérifiez les paramètres de vos comptes Facebook, Instagram, etc., oui. N'importe qui va taper sur Google votre nom, ça va se retrouver peut-être dans la cinquième, la sixième page, et puis là, petit à petit, ça va disparaître. C'est incroyable le nombre de gens où vous tapez leur nom et vous avez accès à leur album photo. Ok, nous c'est un peu l'atelier qu'on vous propose là aujourd'hui, vie privée, pas si privée, en point d'interrogation. C'est un peu une suite, pas en lien bien sûr, avec aussi ce que vous avez pu voir hier. Donc ça commence par un petit clin d'œil, humoristique. Vous avez trouvé que c'était adapté à des situations qui peuvent être réelles, connues ou... ouais. Est-ce qu'il faut descendre l'histoire peut-être? Non, vous voyez assez bien ça. Ou bien vous voulez qu'on descende l'histoire? On peut descendre un petit peu. C'est écrit en bas à droite. Du coup là vous jouez à chaque fois deux fois maintenant. Du coup toi t'as joué deux fois, tu peux vous passer. Ouais, vous avez repassé les manettes. Hein. Ouais, c'est un peu.
les adolescents sont continuellement connectés les uns aux autres. Et il y a cette espèce d'injonction d'être tout le temps en ligne, d'être tout le temps joignable, atteignable. Il faut toujours montrer aux autres qu'on est des vrais amis, qu'on est sincères, qu'on est fidèles. Donc, il y a vraiment, oui, il y a une pression sociale. Les ados adorent aussi la fonction DI, ou discussion instantanée. Elle permet sur Facebook de parler avec plein de gens simultanément. Elle a préféré rechercher le réconfort de ses amis sur Facebook. Je me confierais plus à Facebook. Parce que c'est pour... Enfin, je peux partager ma tristesse. Et Ewell chat avec Lara sur Facebook. T'habites où, lui demande-t-il. J'habite à Bratislava. La chute, enfin, ou la fin, disons. Ouais. Voilà. Dès qu'il arrive à la maison, il questionna Lara pour savoir comment elle est rentrée. Sahari est grand, beau, de peau mate et musclée. Les deux adolescents sont sur plusieurs réseaux sociaux. Ok, alors qui veut lire, Le jeune, vexé, énervé, se met en tête de détruire la vie de cette jeune fille en diffusant les photos et les vidéos. Ceux qui ont l'abonnement, qui sont avec l'abonnement, ils vont penser que c'est combien vous payez par mois, enfin, combien vous dépensez par mois pour le téléphone et pour la téléphonie. Les droits humains sont valables partout, tout le temps et pour tout le monde. Les droits humains. On est venu vous parler des droits humains. Est-ce qu'à votre avis, ils sont valables partout, tout le temps et pour tout le monde. Partout, tout le temps et pour tout le monde. Voilà. Mon attel n'a rien à voir avec les droits humains. Il y a l'interface de programmation visuelle qui n'a pas été installée. Donc on va simplement le programmer en écrivant le code, le texte. Qui ici pense qu'il passe plus de 1 heure par jour devant son attel ou devant un écran? Ah, plus d'une heure. Plus d'une heure. Ok. Pas dans tous les cas, mais si on fait une moyenne de la population, je suis d'accord. Donc, c'est... Ok. Que vous avez l'impression que c'est comme ça pour vous? Quand ça s'applique à vous, personnellement? J'ai pas fait ça. Non. Nicolas, par rapport à Facebook, bah, qui a un compte Facebook? Quels sont les bons effets et les mauvais effets? Faciliter nos recherches, la même chose. 1, 2, 3, silence, à tout! Attends, tombe pas. Voilà. T'as fini d'écrire. Tu le montres bien à la caméra. Il se termine en faisant sortir le message. Post-it 2. Le messager. Oh, il y a le regard. Ouais, là, on a un messager très intense. C'est la réception du message. Post-it 4, c'est le messager de retour avec le nouveau message. Toujours très concentré, le messager de retour. Retour à la personne du début qui reçoit le message en retour. Smith. Le message qui part de l'un à l'autre.